Bonjour et bienvenue dans l'Antre du Cafard pour la suite de notre Let's Play Rimworld Alpha 11, le Temple des Technoriches. Notre colonie progresse bien, on a fait d'énormes stocks de nourriture grâce à cette attaque de loup massive qu'on s'est prise et on vient de repousser héroïquement un raid, même si Luigi a raté lamentablement le finish, la poursuite finale du dernier type qui s'enfuyait. Maintenant, on a toujours un vaisseau crashé dont on doit s'occuper. C'était pas trop ça, hein. Judge Dredd, on n'y est pas encore, hein. On n'est pas encore Judge Dredd, là. Ouais, grosse déception. Bon, on a quand même récupéré deux Charge Rifle et un fusil à pompe, c'est pas mal. Non, il est pourri en mêlée. Il y a d'autres animaux qui vont nous attaquer. Oui. Restriction. Zone 1. Allez. Il nous faut quelqu'un sur le mur. Shiro, vas-y. Efficace. Bute-nous ce cerf berserk là. Voilà. C'est bon. Du coup, tiens, tu vas nous foutre ces types à poil. Il va falloir qu'on s'occupe des nouveaux là. Alors, messieurs, êtes-vous recrutables? Le Charge Rifle, c'est un fusil d'assaut énergétique. 94 de recrutement. Il te manque une jambe, mais ça se répare. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es incapable de faire du dumb labor, ce qui veut dire que tu ne peux pas ramasser. Et t'es prostophobe. Bon bah toi, tu vas servir de... Hein? Doctor Care, Medicine, Friendly Chat, mais on n'essaie pas de te recruter. Tony, tu es très difficile à recruter. Il te manque des trucs, mais ça se répare. Tu es prostophile et tu es capable de ramasser des trucs. Non, c'est bien. Non, bah toi, on va essayer de te recruter. Ça risque d'être dur, mais on peut essayer. Yann, tu veux pas aller foutre les gens à poil? Je sais que t'aimes ça. Et zone intérieure, c'est parti. Au travail. Yann, t'as rien à faire? Comment c'est possible ça? Si, normalement tu peux crafter. Tu vas me dire que tous les postes de craft sont occupés? Non, faut faire des stone blocks. Je comprends pas. Colin et Ben sont en rouge parce qu'ils étaient en mode berserk. Mais ça c'est terminé. Ils aiment pas trop être en intérieur. Ah, ils meurent de faim. Ah mais oui, ça c'est un problème. Tofu, tu peux les soigner? Tu peux aller leur donner de la bouffe? Est-ce que tu peux leur donner des vrais repas? Oui, ça marche? Oui, ok, ça marche, bon. Pour Mood, oui, bah je sais que vous avez pas très bien... Va vraiment falloir qu'on s'occupe de ce truc-là, hein. Et vite, sinon ça va nous pourrir le moral. Alors, qui snipe? Yendel. Vas-y, finis de cramer les cadavres. Et tu sors. Et l'autre sniper, c'est Mr. Tofu. Non, Mr. Tofu, on a trop besoin de toi à l'intérieur de la base. Tu vas lâcher ton sniper, tu vas prendre un autre fusil. Ou un charge rifle, en fait. Attendez. Alors. Tofu Charge Rifle, c'est ça. Hop. Et quelqu'un d'autre va prendre ton sniper. Broken. Super.
Tiens, Yogi. Allez-y, Yogi et Yandel. Au boulot. Vous allez me nettoyer ce vaisseau-là. Hop. On peut pas juste faire sortir les aliens et revenir à la base puisqu'ils restent autour du vaisseau. Ils vont pas nous attaquer. Alors, portée du truc, c'est bon. Vous êtes bien. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la surprise du jour. Ça va. C'est jouable. Allez-y, snipez-moi ces sites. Ou pétez le vaisseau, peu importe, l'un des deux. Faites bien attention, hein. Si jamais il s'avance, vous reculez. Il essaie de nous tirer dessus ou pas, là? Non, je crois pas. Touché. Allez, allez. Il a quoi comme arme ce truc là? Inferno Cannon, ça a pas l'air drôle. Oh, joli tir là. Je crois que vous l'avez bien endommagé. Yep, ça a l'air pas mal. Vous avez l'air de lui faire du dégât là. Yep, si on détruit le vaisseau, ils viennent nous attaquer. Même si on endommage suffisamment le vaisseau, ils viennent nous attaquer. Ouais, le combat va prendre des plombes. Ouais. Mais mieux vaut que ça se passe comme ça. On va pas prendre trop de risques, hein. Oh, nice. Touché. Raté. 56% du vaisseau. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous. Fuyez, 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 fuyez. Yandel. Ok, Yandel, tu vas te faire soigner. Yogi, t'y retournes. Comment ça se fait que Yann ne fait rien? Yann est capable de crafter. Pourquoi tu craftes pas? Je comprends pas. Est-ce que c'est occupé? Non mais... Là il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu peux pas crafter? Parce qu'on n'a pas de moche à faire. Parce qu'on n'a pas de kindlings à faire. Parce qu'on n'a pas de wood planks à faire. D'accord. Eh ben le jardin devrait être fini alors, non? Non, il manque du glace. Et les vêtements. T'as qu'à faire des vêtements. On peut pas faire du cloth, mais on peut faire des vêtements. Et là, pourquoi tu craftes pas des vêtements? On n'a plus de matériaux. C'est vrai ça, on n'a plus de cuir? Si, on a plein de cuir, pourquoi on peut pas? Ah, parce que pour les tuques, il faut forcément du tissu. D'accord. Faire un mur tout autour de la map pour que personne puisse s'enfuir. Ce serait une idée, ça. Ça me semblerait pas mal. Ok, Yandel, à plus. Désolé pour ta connexion. Alors, donc logiquement, là, on est dans la merde parce qu'on peut pas vendre, c'est ça? Le craft goods, il va pas les acheter. Bah allez, fais plus de trucs. Si on est plein, refais-en d'autres, hein. Y a pas de raison qu'on s'arrête. Dans l'eau, t'arriveras bien à en faire des biens. Allez, Yogi. Donc là, eux, ils vendent rien.
Oh putain. Casse-toi. Ils bougent ou pas? Oui, ils viennent. Ils viennent. Cassez-vous. Ah, au secours. Pause. Alors. Restriction. Zone intérieure. Hop. Avec tout le monde. Oups. Merde. J'ai réussi à bouger ma fenêtre. Hop. Tout le monde. Allez. Pourquoi tout le monde peut pas se mettre en... Pourquoi je peux pas drafter tout le monde? C'est quoi ce bordel? Pourquoi Varius? C'est pas Varius? Draft? Pourquoi Guizeri je peux pas... Si, ouais. Ah, Aline a pété un câble et je peux pas draft. D'accord, c'était Aline qui faisait foirer la sélection. Ok. Allez tout le monde. Hop. Alors, Shiro, Guizeri, on y va, tout le monde en place, Yogi, ton sniper là, il est pas très utile, utilise la tourelle, Mister Luigi, Yann, Entratrax, tu vas utiliser cette tourelle qu'on n'a pas en... au pitting. Allez, un de moins, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Lui aussi son cerveau il est pété. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer un mur en marbre. Bon bah allez tous vous coucher. Ok, la majorité de notre bouffe est bien en intérieur, ça c'est cool. Alors il est parti où, droïde? Ah, il va attaquer un mur là-bas quoi. Par contre le centipède il s'avance. Hein. Faudrait peut-être le buter à distance. Oh c'est mignon, ils mangent tous ensemble. Yogi, vas-y. Et Tofu, tu t'es occupé de Yandel? Je répète, Tofu, tu t'es... Oui, d'accord, tu t'en occupes, c'est bien. Allez, Yogi, tu vas essayer de nous intercepter le centipède avant qu'il arrive ici et qu'il fasse trop de dégâts. Faut se méfier. Ah non, Yogi, tu collapses pas maintenant. Hein. T'as un centipède à buter, là. Allez, c'est bon, là. À bagueux, quoi. Allez, bute-le, touché. Yes, presque. Il est quasi mort. Nice! Bon. Il en manque plus qu'un. Il est parti, je sais pas où. Il revient, il est là. Ok. Oh, il va attaquer derrière. Ben, je sais pas. Ça va être chiant s'il attaque ce qu'il y a derrière. Il veut pas retourner là-bas? Ce serait mieux pour nous. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est reparti où? Il est là-bas? C'est moi où il se bat avec un animal? Il s'est fait buter par un cerf. Ah, cette blague. Il s'est fait buter par un cerf. N'importe quoi.
Par un des propres cerfs qui l'a rendu fou, c'est parfait. Du coup, on n'a plus qu'à attendre que les animaux fous viennent à notre base, et ensuite on ira péter le vaisseau et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Escape pod, oh, nice. Blanca. Blanca ou Bianca? Blanca. Blanca, Blanca, tu n'as pas de graves blessures, tu es capable de ramasser du stuff, tu aimes la chaleur. Ouais, t'es pas mal. On va essayer de te recruter. Est-ce qu'on a une place? Maintenant, oui. Il va nous falloir de nouvelles chambres, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc, le cerf, il vient ou pas? Oui, il arrive. Quelqu'un pour la tourelle, Wizeri, vas-y. Et du coup, on te recrute et tu vas nous défoncer ce truc-là. Go! Vas-y. Vas-y, vas-y. Ah non, c'est pas des dromadaires, c'est des cerfs. Ils sont peut-être moches, mais c'est des cerfs. T'arrives quand même à louper, hein. Nice! Voilà! Et du coup, on va récupérer ça. Ah, Forbidden. Non, non, c'est pas Forbidden, je t'assure. Je t'assure, c'est pas Forbidden du tout. Tu nous récupères immédiatement, le personne à corps. Ah bah, il commence à avoir de la gueule, ce jardin. La cuisine est rangée. Le stuff est rangé. Il nous manque des petites balises de communication, on sait jamais. Des trade beacons, pardon. Hop, hop. Il y en a déjà une ici. Est-ce qu'il y en a une là? Non. Dans la cuisine, c'est pas la peine. Ok, bien. Crafts Good Trader. C'est pas ce qu'on veut, hein, cela. Il nous faut un Exotic Goods Trader. Est-ce qu'on a des blocs de pierre? Oui, on va pouvoir se faire des sols en pierre, enfin. J'ai envie que vous marchiez un petit peu plus vite, là. Allez, mur, sol en marbre, c'est parti. Area reviewed. Ouf, oui, ça va. Je pense qu'on arrivera à gérer ça. Bug resources. Ah oui, Blanca, c'est vrai, merde. T'es en train d'oublier. Tofu, tu vas... Non, pas Tofu. Luigi, tu vas vite. T'es où? J'espère qu'elle est pas morte. Non. Vas-y, va la chercher. Ok, à plus space. Merci d'être passé. Et puis à très bientôt. Donc, marbre, on continue. Là, comme ça. Voilà. Toutes ces zones-là, là. En fait, partout, hein. Exotic goods! Oh yeah! Tofu. Tofu, tofu. Et où tofu? Et où tofu? Ah, là. Allez, tofu, tu es contact, là. On a des tonnes de merde à leur vendre. Non, on n'a pas besoin de plus de Warden, on a besoin d'un meilleur Warden, il faut juste que Tofu s'entraîne. Donc, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça risque de prendre un petit peu de temps, hein. Si vous devez faire une pause, c'est maintenant. Hop là, hop. Ça c'est pourri, non, ça c'est pas pourri.
Ah mais c'est une jaquette, nous on veut les parkas. Hop, dégage. C'est de la merde. Je pense qu'on va tout vendre. Tellement pourri ces trucs. Hop hop hop. Le mur autour de la map, hein quoi? Je comprends pas Erwan. Par cas, par cas, par cas, par cas pourri, 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 pourri. Oh, des tonnes de sous qu'on va se faire à vendre des vêtements de merde. Parce qu'il y en a qui valent cher quand même, hein, vous voyez, à 40, 40. Hey, bonsoir Dum. Bienvenue sur le stream, re-bienvenue. Comment ça va depuis hier? Un shield on peut vendre. On a besoin de sous, hop, des vêtements tribaux. Shiro toujours nudiste, ouais, ça change pas. Ouais. Hop, hop, hop. On a tellement de vêtements qui traînent. T-shirt, t-shirt, tuc, tuc, tuc. Bon, et ben voilà, le personne à corps on garde, la biomatière on pourrait en vendre une partie. Hop! Ça va nous faire de l'espace, on va en garder 1000. Uranium on garde, et voilà! Ah merde! Ils ont pas assez d'argent pour nous. 9000. Finalement, on leur veut pas de biomatière. Oups. On veut pas en acheter non plus, faut pas déconner. Ah! Oh putain! Voilà. Là, on est bien ou pas? Ah oui, mais en fait. Ah merde! En fait, on peut en vendre. C'est juste qu'on peut pas en vendre autant. Hop. Encore un peu. Encore un peu. Yep, encore un petit peu. Ouais, c'est trop bien, je crois. Ah, pas de beaucoup. 1300. Non, 1400, on va essayer. 1400. Presque. 3 de moins. Là. Ça passe. Ça passe. Pile poil. Parfait. Allez. Hop. Emballé, c'est pesé. Oh, plein d'argent. Plein, 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 plein d'argent.